Mesdames et messieurs, bonjour. Les arrivées à Montpellier nous ont souvent habitués à des sprints massifs. Aujourd'hui, compte tenu du profil, il n'y a pas de raison que ça change. Même si, bien sûr, des baroudeurs tenteront leur chance. Ok, je viens de protéger. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Le peloton roule fort, restez bien placé. L'écart avec la tête reste stable. Accélère! Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Une minute pour l'échappée, c'est bien parti. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général.
fait partie des meilleurs punchers, mais il est aussi très à l'aise en montagne. Ses qualités de rouleur sont exceptionnelles. Il ne faut pas lui laisser un mètre d'avance. Surtout qu'il passe les bosses correctement et qu'il n'a pas intérêt à attendre le sprint vu sa faible pointe de vitesse. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. S'il veut prendre des points pour le maillot vert, il doit s'échapper. Thibaut Pinot est un pur grimpeur, capable de rivaliser avec les meilleurs dans l'école, comme en atteste sa troisième place au classement final du Tour de France 2014. Au terme de cette édition, le Franc-Comtois avait également endossé le maillot blanc de meilleur jeune. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. À la fois bon grimpeur et bon rouleur, Andrew Talansky dispose de sérieux atouts pour viser le classement général sur les courses par étapes. C'est un coureur très explosif dans les bosses, mais qui n'est vraiment pas à son aise en haute montagne. C'est un coureur qui affectionne les bosses courtes. Ses capacités en haute montagne sont relativement limitées. Il y aura un point à prendre pour le maillot à pois en haut du prochain grimpeur. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Michael Albasini est un puncher connu pour remporter ses courses en réglant de petits groupes d'échappés au sprint grâce à sa bonne pointe de vitesse. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez Pierre. Allez galopin.
Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. L'échappée perd du terrain. Le prochain Grand Prix de la montagne est répertorié en troisième catégorie. Alors il y aura 2 points et 1 point pour le classement du maillot à poids. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée.
Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Placé au classement des grimpeurs dans l'échappée. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Les équipiers accélèrent, et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de course, et l'on rappelle que les 15 premiers marqueront des points pour le maillot vert. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça.
Le ravitaillement est imminent pour les hommes de tête. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. L'échappé perd du terrain. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout.
rapide au sprint dans le groupe de tête. Fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Ok, je viens de protéger. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Le coureur qui passera en tête au sommet de la prochaine côte empochera un point pour le classement du meilleur grimpeur. Voilà le classement du dernier grimpeur. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Thank you.
On est à 15 km de l'arrivée. Ce sera compliqué pour le peloton de combler plus de 2 minutes de retard. On dirait bien que les baroudeurs ont réussi leur coup aujourd'hui. De l'arrivée pour les hommes de tête. Ils peuvent y croire. À 5 km, un homme est seul en tête. C'est une victoire en solitaire à laquelle nous devrions assister aujourd'hui. Attention, tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps.
Oh.